Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour la suite des mini tutos express pour faire des albums ultra simples, ultra rapides. Alors, je me suis basée avec ces blocs d'action, comment réaliser, qu'est-ce qu'on pouvait réaliser surtout avec ce format et cette dimension-là. Enfin, voilà, c'est un grammage qui n'est pas hyper épais. Oh, quoi que si, en fait. Je dis ça, mais 250, si. L'autre aussi. Ouais. Non, en fait, c'est un bon gramme. Rectification. Bref. Et donc, on va passer à la version. Alors, elle ressemble à la première version, mais en maxi. Donc, vous voyez, on pourra mettre beaucoup plus de photos. Et pour commencer, alors moi, je me suis avancée le travail. On a besoin de 6 papiers qui doivent mesurer 25 par 17 cm de hauteur, donc 17 sur 25, et 6 papiers dont la mesure est 17 sur 24. Donc j'ai fait un pli au centre, donc vous avez 12 cm, 12 cm. Et pour celle-ci, pour la mesure la plus grande en 25, pareil, 12, 12 et 1 cm qui va nous servir de base, de languette, pardon, de collage. Pourquoi? Ben parce que j'ai pas de feuilles assez grande, et on va venir toutes en fait raccorder pour faire très très grand, voilà, avec à chaque fois les emplacements. Alors j'en fais une avec vous et les autres, je vais en faire une ou deux avec vous et les autres je les ferai hors cam. Donc je biaise mes angles, le mieux c'est de le couper jusqu'au bout, Adeline. Voilà, ça c'est fait. Ma nouvelle, est-ce que vous avez pris une résolution pour l'année 2024? Alors moi, ma résolution, ce serait d'essayer de scraper en mettant moins le bazar sur mon bureau. Ça va durer 2 semaines, cette histoire. J'ai coupé la vidéo 3 secondes parce que j'avais un chat dans la gorge, c'était horrible, j'arrivais pas à le faire passer. Du coup, très simple, très très simple. Hop. On va faire nos raccords. Mais c'est décidément. Je suis désolée. Hein. Je suis contente, on est mercredi, il fait pas beau. Je devais aller sortir les enfants, mais il fait vraiment un temps pourri. Donc je peux pas, mais ils sont sages comme des images. Donc je mets ma colle sur ma languette de collage. Je vais te laisser comme ça. Et on vient faire notre accord. Ah, attendez, mon chiffon, je ne le mets pas très loin. Hop là. Et donc, on va faire pareil avec toutes nos pages. Vous êtes de ce côté. Je marque le pli de ma languette. Hop là. Et donc, ainsi de suite. Je fais tout ça hors caméra et on se retrouve juste après. Donc, une fois qu'on a raccordé nos 6 pages, donc comme ça,
ceci. Donc, vous voyez, j'ai fait les 6. On va s'attaquer à la base. Alors, pour la base, comme pour les 6 pages, il nous faut 6 feuilles qui doivent mesurer 17 par 24 et 6 feuilles qui doivent mesurer 25 par 17. Et là, on fait uniquement le pli de la languette de collage, juste ici. Et on laisse tel quel, on ne refait pas de pli. Du coup, j'ai réalisé mes 6 pages, j'ai fait mes raccords sur toutes mes pages. Voilà, donc on se retrouve avec 6 pages, comme ça, et 6, avec un pli. Hop, on va mettre ça, c'est ce qu'on va considérer, entre guillemets, comme les bases. On va les mettre de côté. On va prendre nos 6 pages et on va marquer les plis comme ceci. On fait un accordéon, en fait, à chaque fois. Et toutes mes pages. Et là, en fait, on va venir... Parce que c'est beaucoup... 1, 2, 3, n'importe quoi. C'est beaucoup plus pratique tant que c'est pas fixé sur la base. On va venir décorer. Voilà. Donc, moi, je vais prendre un petit peu au hasard. Alors, soit je fais ceci, vous voyez vraiment cette page, c'est ce motif, et l'autre page, moi je pense que je vais faire comme ça. Donc, j'ai recouvert toutes mes pages, j'enlève la colle sur les doigts, vous voyez. Donc, j'ai fait toutes mes pages, mes 6 pages. Et on va venir, du coup, coller sur la base. Donc, c'est très simple. On prend les parties extérieures. Et on va tout simplement, je vais un peu dans les angles, et sur nos bases, et bien on va venir bord à bord, tout simplement, bien s'aligner. Et on fait pareil pour ce côté-ci. Et ça, on va le faire pour nos 6 pages. Donc, je fais celle-ci avec vous et pour gagner du temps. Je vais faire les autres hors caméra. Donc, on doit obtenir ceci. OK? Pour toutes les pages. Allez, c'est parti. Donc voilà, j'ai l'assemblage dans ce sens, c'est celle-ci, de toutes mes pages avec les bases. Alors je sais pas, peut-être que à voir, je rajouterai du papier design ici, parce que le bloc est énorme au final. Je pense que ça fera super joli. Après ça, je pourrais le faire par la suite. Donc j'ai fait toutes les pages. Montre vite fait. Et donc, comme pour le premier petit tuto express réalisé ensemble, on va les assembler de la même manière, c'est-à-dire, hop, voilà. Donc là, on a notre tranche, si je peux dire comme ça, et on va venir appliquer de la colle partout en laissant
Bon, je vais vous dire une mesure un peu bateau, quoi. 4 cm à peu près, 4 cm de marge où on ne mettra absolument. Excusez-moi, pas de colle. Alors, juste, je vais faire descendre cette colle. Hop là. Donc, on part bien. Alors, je m'assure juste d'être dans le bon sens pour les pages. Que les motifs soient à l'endroit. Pas de bêtises. Oui, mon chat. Maman, elle filme avec, chérie. Tu veux bien attendre un petit peu? On va aller chez mamie. J'arrive, Théo, j'arrive. Et donc, j'arrive, Théo. Hop, pas de bêtises. Page. Donc vous voyez là, j'ai une partie qui est pas collée. Et donc on fait ça pour chacune des pages. On vient empiler en collant une partie. Allez, je vais faire ça hors caméra et je reviens très vite. Donc maintenant qu'on a tous nos pages de coller les unes aux autres, on va venir. Alors, est-ce que je suis dans le bon sens? Je suis en train de me demander. Comme ça. On va venir créer la couverture. Alors. Pour cette couverture, j'ai pas pris le même grammage du papier du bloc d'action. J'ai pris le papier aquarelle de chez Action en 300 grammes pour faire quelque chose d'un peu plus rigide. J'ai fait la hauteur 17 comme nos pages et sur 24, j'ai fait un pli, j'ai mesuré 2,5 cm et j'ai refait un pli pour faire la languette de collage qui mesure, elle, 1 cm. Donc, en fait, au total, c'est une page de 27,5 sur 17. Et j'ai réalisé dans une autre feuille A4 une page de 17 par 24 qu'on va venir raccorder. Hop. J'arrive à ouvrir ma colle. Aïe. Purée. L'avait bien serré hier. Donc, on procède comme tout à l'heure en fait. C'est le même principe que pour le premier plioir ici. Je crois que celle-ci, je l'ai coupée à peine un peu grande. Ouais. Il faut que je retaille. Je fais un 17,2 au lieu de 17. C'est un peu embêtant. Super.
C'est mieux. Donc on se retrouve avec ceci. Et alors, soit vous venez maintenant placer votre ruban de fermeture sur l'intérieur, là, de suite, soit vous venez le mettre sur l'extérieur pour changer. Moi, je vais le mettre à l'intérieur. Mais j'ai pas choisi mon ruban. Donc, je reviens. Du coup, je reviens vers vous et j'ai posé un ruban. Donc, il vient aussi de chez Action. Je suis obligée de poser ma voix après la vidéo car j'avais oublié de brancher mon micro. Bah oui, forcément. Donc, maintenant qu'on a fait la couverture, on va pouvoir venir coller nos pages à cette même couverture. Donc vous allez voir, hein, c'est comme pour le premier, il n'y a rien de très compliqué. Après, bien sûr, on peut toujours ajouter des pages si vous voulez le faire plus gros, cet album. Vous pouvez, pardon, vous aurez juste qu'à agrandir votre tranche en prenant les mesures comme ça. Vous pouvez renaître votre papier, et faites une petite marque et vous aurez la dimension de votre tranche. Tout simplement. Et vous pouvez aussi le faire une couverture plus grande si vous le souhaitez. Donc là, comme pour le premier, on va venir coller bord à bord, tout simplement. Donc voilà, une fois que c'est bien collé, on va pouvoir décorer notre couverture. Alors, c'est le seul petit hic avec ce type de papier design, c'est que du coup, ben, on n'a pas forcément assez grand pour ce type de couverture. Mais c'est pas grave, on va bien trouver quelque chose à faire. Donc moi, ce que je vais faire, je vais réfléchir hors caméra et on se retrouve pour la présentation de ce que j'ai réalisé. Et voilà mes poulettes, on se retrouve. J'ai fait la couverture. Je me suis un peu éclatée. Donc je vous montre, j'ai mis deux papiers aux dimensions du bloc, je n'ai pas retaillé. Et alors pour que vous voyez mieux, un fil de colle à chaud, j'ai dit à l'envers. Et ensuite j'ai pris un autre papier, donc celui-ci, et je suis venue faire juste pas qu'il y ait trop de marge sur les côtés, ça, c'est pour pas que ça choque trop vu que c'était la couverture. Donc voilà, ça donne ça. Et devant, je suis venue faire un tamponnage, je l'ai colorisé, j'ai mis des petites fleurs, des petits trucs, un petit sentiment, etc. Et j'ai mis des grosses fleurs pour donner plus de relief.
Voilà, je vous montre un petit peu. Je pense que je vais mettre un peu de glossy accent sur le nœud, etc., sur quelques petits trucs, mais vraiment léger. Léger, léger. Alors, à la base, je voulais utiliser cette fleur, ce tampon de chez Action, mais pour le coup, c'était vraiment hyper gros par rapport à ma madame qui est là. Donc, je le réutiliserai, mais alors pas sur ce tuto pour le coup. Pas sur celui-ci. Par contre, j'ai été hyper déçue quand je suis allée à Action parce que je me suis dit, je vais essayer de faire un total Action, mais j'ai pas réussi parce qu'il n'y avait plus rien en clear stamp. Vraiment, en tampon, il n'y avait rien à part, mis à part les comme celui-ci. Donc j'étais hyper déçue et. Pour retrouver les tampons que j'avais achetés forcément chez Action et dire oui, c'est du Action, je m'en souviens plus quoi. J'en ai tellement que je pourrais pas dire c'est tel ou tel. Enfin, il y a des designs, on les reconnaît, mais ceux d'Action, je pourrais pas forcément plus vous dire que ça. Donc j'ai pris dans ce que j'avais et alors tout ce qui est branchage, je les avais déjà depuis un moment. Je les avais utilisés sur un album précédent et vu que quand je fais de la colorisation, j'en fais toujours 3 tonnes. Je garde tout, vous voyez, et donc je m'en resserre quand j'ai besoin. Donc voilà pour cet album. Juste, hop là, colle chaud, encore. Juste, ben, je vais recouper le ruban, hein, comme pour l'autre, parce que 4 km de long. Et donc on obtient ça. Alors vu que j'ai beau, il me reste pas mal de feuilles de ce bloc, je pense que je vais venir recouvrir juste là, en fait. C'est parti qu'on voit, parce que je trouve que ça fera beaucoup plus sympa. Donc l'album, ça donne ça. Donc c'est hyper sympa, c'est hyper rapide à faire. Moi, ça m'a pris du temps parce que j'ai fait la colo et puis que j'ai pris mon temps pour faire la colorisation de mes petits machins. Mais sinon, voilà, c'est hyper, hyper simple et ça peut être hyper pratique aussi pour certains projets. Donc voilà, bon, ce tuto numéro 2, j'espère qu'il vous aura plu. On va se retrouver très vite pour le tuto numéro 3 maintenant. Et je vous dis, prenez bien soin de vous. Bye bye!